expressions, c'est des choses que les gens disent des fois, puis tu me dis qu'est-ce que ça veut dire. OK? Elle est assise sur son steak. Manger du steak? Manger du steak. Mais si on dit être assis, c'est parce que tu t'assois dessus avant de le manger? Oui. As-tu déjà assis sur un steak, toi? Non. Non. Y a-tu un aliment sur lequel tu t'assoirais, mettons? Des raisins? Une carotte? Une carotte, oui. Oui. Peut s'asseoir sur une carotte. C'est pointu. C'est exactement le terme que je cherchais. Une carotte, c'est pointu. Ce pacta à fraises. Il a vu sa fraise. Manger sa fraise. Siffler. C'est quelqu'un qui boit trop. Ah! Avoir de la broue dans le toupette. T'as du caca dans le pet? Il y a du caca dans le pet, fait que t'as de la broue dans le toupette. OK. Avoir de l'eau dans la cave. Le mot cave, ça vient du Nouveau-Brunswick. Le mot cave vient du Nouveau-Brunswick. OK. Parce que ici, au Québec, les gens disent pas cave. Non. Ils disent quoi? Ils disent sous-sol. Sous-sol. Fait que si je dis, hey, lui, il a de l'eau dans la cave. Ça veut dire qu'il y a de l'eau dans le sous-sol? Au Nouveau-Brunswick. OK. Avoir la fly à l'air. Dire un mensonge? Pas tout à fait. Je vais te le dire, la vraie réponse, c'est, tu sais, ta fermeture est claire. Ouais. Tu sais, des fois, tu oublies de la monter. Ah, ça arrive, ouais. Depuis le matin, tu es pressé, puis elle reste baissée. Mais t'arrives-tu ça des fois? Non. Jamais. Tu n'as jamais eu la fly à l'air? Ben, juste une fois à la fin de semaine. Ah, OK. Oh, c'est un... Ah, ben, ça colle. La fin de semaine, c'est moins grave. Ouais. Ouais. Tu disais, ouais, lui, c'est un péteux de broue. Qu'est-ce que ça veut dire? Péter de la broue. Ça fait plein de petites bulles, comme. Quand tu pètes. Ouais. Connais-tu, toi, des péteux de broue? Oui. T'en connais? Ouais. Ah oui, beaucoup? Oui. Ah oui. Comme? Mon père, mon frère et ma soeur. Fait que ça pète de la broue à la maison. Oui. Eh bien, pis toi? Un petit peu. Ouais, pas trop. Ça te fait rire, ça péter de la broue? Mais ton père, lui, c'est gros péteux de broue. Ah oui. Mais on va le saluer. Comment il s'appelle? Carl. Salut, Carl.